Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cliff Empire, notre recolonisation de la Terre. Je viens tout juste de terminer les... Comment ça s'appelle? Les piliers, je crois. Non, c'est pas ça le nom. Soutien de falaise. Ah non, d'accord, ok. Les soutiens de falaise. Est-ce qu'il y a des trucs à construire ou pas? J'en sais rien. Des trucs que j'avais en cours de construction, peut-être. Je vous avoue, j'en sais que dalle. Mais je ne crois pas. Ce qui fait qu'apparemment, on a débloqué une nouvelle quête. Hop, on a débloqué cargaison de nourriture délivrée. Dommage à l'un des secteurs en orbite a conduit à la décryogénisation de 500 capsules avec des humains. Et la station orbitale avec de la nourriture, de l'eau et de la matière gratuite. Gratuite? Rien que ça. Et comment je leur en donne? Non, parce que c'est bien beau de me demander des trucs gratuits, mais... Comment je leur en envoie? Parce que je vais pas tout leur envoyer non plus, hein, faut pas déconner. Gratuite. J'aime pas trop ce mot gratuit. Enfin, dans les jeux de gestion. Non. Ouais, c'est pas mon truc dans les jeux de gestion, la gratuité. Hein, non, pas à dire. Ok. Bah, on va voir. Là, je leur ai déjà donné 4 eaux. Wow. En vrai, j'en ai aucune idée de comment je leur envoie tout ça. Bah là, je leur en envoie de la bouffe. C'est pas gratuit par contre, hein. J'ai pas l'impression que ce soit très gratuit. Hein. À moins que je ne gagne plus rien. Ah, c'est possible ça. Est-ce que je gagne encore? Parce que là j'ai mes revenus qui ont drastiquement baissé. En fait j'ai l'impression que leur vente de l'eau, de la bouffe et de la matière, ça ne me rapporte plus rien. C'est peut-être ça ce qu'ils attendent par gratuite. C'est-à-dire que ça nous gèle les revenus. Bon, tu me diras, j'ai 200 000 sur chaque... sur chacun des piliers, chacune des côtes, je sais pas trop comment on dit. Je sais plus comment on les appelle, mais quand même. Attends, je consomme encore des... Attends, c'est terrible, je consomme encore des batteries ici. Ah vache. Ah mais c'est vrai que j'ai augmenté le nombre d'habitants de manière plutôt drastique. Si j'ai quoi qui me produit l'éolienne. Ouais. Ouais, on a les éoliens qui produisent, mais faut leur vendre de la matière dans tous les cas. Ah oui, mais non, mais je faisais en sorte d'avoir des stations de chargement de batterie. Et en vrai, je devrais accéder à ça un moment. Je sais pas quand. Ah si, quand j'aurai les recherches. Mais les recherches, il faut que je débloque le bureau d'études. Donc il faut que ça soit niveau 20. Il faut que j'ai 20 médailles et j'en ai 20 points d'honneur et j'en ai 18. Mais c'est pour dans pas si longtemps en vrai.
Donc je galère tant que ça avec l'eau. Ouais. Trading platform arrived. J'en produis un peu plus que ce que je consomme. J'en produis beaucoup moins que ce que je consomme. J'en produis beaucoup plus que ce que je consomme. Ok. C'est juste la répartition qui est pas ouf, ouf. Je vais leur filer pas mal de flotte. Il m'en manque 60. Ouais, moi ça fait 21 par heure. Par portail. Tiens. Pas ce que je pensais. J'avais pas mis l'eau au bon stade de vente. Je devrais avoir vendu l'eau là normalement. Enfin donné du coup vu que ça me rapporte pas. Vraiment, il y a un endroit où ça n'a pas vendu. Alors, à moins que ce soit un endroit où j'ai mis 60 au lieu de 61. Oui, d'accord, vente ponctuelle. Ça n'a pas vendu le dernier, je suis dégoûté. Mais l'esthétisme est toujours. Pas terrible, hein. Consommation des batteries la nuit. Ici ça va. Ici ça va, voici le portail. Là le jour avec l'ensoleillement ça se passe très bien. On a réussi la quête. Récolter ça. Récolter les gains. On va continuer à leur filer de l'eau et des grains hein, et des matériaux. Ça risque de prendre pas mal de tours. Ouais, j'ai fait un truc fondation pour module ici. Eh bah, je sais pas à quoi il me sert. Moi, j'avais dû prévoir quelque chose, hein, mais alors là. Ah mais si je change l'énergie avec avec le nucléaire. Avec les tours d'absorption d'uranium. J'ai fait un truc du genre. Est-ce que j'en ai encore besoin ici? De toute façon j'ai pas la place ici. En vrai, c'est équilibré, hein, si vraiment je vois que j'en ai besoin. Je referai la même stratégie, quoi. Là, j'ai pas l'air d'en avoir vraiment besoin. Excusez-moi, j'ai le nez bien pris. Trading platform arrived. Je leur file pas mal de céréales. Je vais faire des ventes ponctuelles. Je vais faire une vente ponctuelle ici à 100. Je vais forcer les ventes. Je vais accélérer un peu.
Pareil pour l'eau. En matériaux, j'utilise pas grand chose. Là, on est arrivé à un stade à peu près équilibré. C'est plaisant. Quand ça arrive, ça fait du bien. De pas devoir courir sur. Ah, oh, zut, il me manque ça. Oh, zut, j'ai ça en trop. Oh, zut, j'ai machin. Non. Là, c'est haut. Oh. Ça tourne à peu près bien. C'est particulièrement plaisant. Ah, j'en vends 25 à la fois, je peux en vendre 75 à la fois. Ouais, ça fait pas mal de jours pour vendre tout ça. Oh, ça m'apporte beaucoup de sang là, ça m'apporte les charges. 68. Et 68. Ah, c'est marrant. Sur deux villes, ça m'apporte exactement la même chose. Excellent. Sur Côte Paisible et Haut du Ciel, les charges me rapportent pareil. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Alors, est-ce que j'ai débloqué quelque chose? Non, ça a pas l'air. Trading platform arrived. Période de sécheresse. Va falloir se méfier. Bon, on leur a donné toute la bouffe nécessaire déjà. Il en faut encore combien, 500? Ça fait facile 150 par ville. C'est ce que je vais faire. Un peu là. On avisera pour les matériaux. Là, j'en ai plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup du tout. Moi ici j'en ai pas mal en vrai. Ouais, prends toute l'eau. Mmh. Heureusement que c'est pas en priorité. Ah, mais je crois qu'il s'était fait démolir le couillon. C'est pas en priorité? Non, alors là, il y en a, j'en ai pas perdu deux par contre. C'est pas en priorité non plus. J'ai perdu les priorités de construction de bâtiments. Il y a dû y avoir une mise à jour ou un truc à la con. Même ça, c'est pas en priorité. Ah, ça, c'est en priorité, par contre. Tiens, c'est bizarre. Il y a dû y avoir un truc. J'ai dû perdre les priorités à un moment sur une mise à jour. Je sais qu'il y en a eu une il y a quelques temps. J'ai pas dû faire attention. Elle est en priorité aussi. Elle est même plus en priorité, ouais. Bon, tu me diras, elle a l'air de tourner sans y être. Donc. C'est pas très grave. Le feu de sécheresse approche. On va manquer d'eau, c'est ça? Les nuages ont complètement disparu, ce qui rend l'énergie solaire plus efficace. Ça, c'est déjà bien. Mais l'eau souterraine s'est asséchée, je m'en fous, je ne les utilise pas. La terre est devenue stérile. Il y a un endroit où ça va me gêner. Attendons, on joue une grande quantité de batterie cette semaine. Eh ben écoute, si tu veux. Oh, coucou les batteries. Oh. Tellement peu de production électrique ici. J'ai tellement peu de production.
tellement peu de production solaire. Et qu'ici où je produis du solaire. Ah bah ici par contre le en pleine journée ça doit produire comme il faut. Hein. Par contre le reste. Puissance de charge 64 c'est tout? Ouais bah non. On verra qu'on pourra agrandir les collines. Apparemment il y a des. Il y a des trucs pour agrandir les collines, je sais plus où, c'est pas là. Ah c'est quoi ça? On pourra voir. Mince, j'étais persuadé d'en avoir vu. Agrandissement de falaise. Là il y a ça aussi, je sais pas ce que c'est ça. Ah mais si. Et je vais pas vous spoil. C'est bon, ça m'est revenu une fois, j'ai dû atteindre ce point là. Mais je vous dirai pas, ce serait pas cool. J'ai des éoliens ici, non? J'ai des éoliens. Ah ouais. Quelques-uns ici. Justement me permettre d'agrandir les falaises. Bon alors, il me manque un peu d'eau. Les 150 d'eau, il va en manquer encore un peu. Si j'ai plus de... J'ai plus de matériaux sur eau du ciel. Une vente ponctuelle de sang ici. Pareil, je vais faire une vente ponctuelle de sang. Ça me fera 200 matériaux. Et pour l'eau, je vais booster donc 150. Là, on sera sur 250 d'eau. Ce sera bon. Ce sera bon. Ça n'empêche. Alors ça va, ça déconne zéro. Hein. Quelques petites quantités. Ah oui, mais tiens, d'ailleurs, j'y pense. Est-ce que ça aussi. Ah là, je suis en priorité. Tiens, c'est. C'est étrange. Ah, ça a dû sauter sur une mise à jour. Alors j'ai. Je fais une bêtise peut-être à un moment, je sais pas. Ah mais non mais je les ai toutes faites, je me souviens plus que je l'avais fait il y a pas longtemps. En tout cas c'est dommage, ils ont pas inventé les usines à étage, tu vois, ils se sont pas dit tiens on pourrait... Au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, là, prendre tout ça en surface, hop, les empiler les unes sur les autres. Ça aurait été tellement plus simple. Mais ouais, c'est pas grave. On a déjà... quelques banques, quelques centres de divertissement qui ont compris ce principe, ça viendra peut-être plus tard, qui sait. Les bureaux aussi, sanatorium. Les paratonnerres, bon bah en même temps, il faut aller chercher la foudre un peu haut. Allez. Allez, qu'est-ce qui est le plus lourd en vrai? J'arrive pas à voir, mais ça joue pas grand chose. Je crois qu'il y a une touche, mais. Ah non, on est à pied là. On se balade... Oh là, on se balade dans les murs. Alors là, je sais pas du tout où je suis. Hein. Là, c'est essayer de savoir où est-ce que t'es. Ah, il y a le portail de commerce là. En vrai, c'est assez grand. Hein. Surtout en pleine nuit. Il est chelou là. T'es juste à côté du portail du commerce. T'es entre l'entrepôt et le portail du commerce. Mais bon, là, on y voit que dalle. Ça change la vitesse, bien évidemment. Putain, mais c'est une centrale, ça, je reconnais. D'où le portail? Oh non! J'ai perdu le portail. Ah, on voit des chiffres. Il doit être là-bas le portail. Salut les gars. C'est un peu bas quand même. Hein. Ok. Ça, c'est l'entrepôt. Où t'es entreposé de manière visible, pourquoi pas.
du passage. Oh, c'est flou là. Ah, sympa, sympa. Ouais, c'est... Attends, on peut se balader dans l'usine. Tac. Aïe. Bon, allez. Oups. Et on a bientôt fini nos quêtes. Il manque une grosse dizaine de matériaux. Et une quinzaine d'eau. Hop là. Ça devrait le faire là sur la prochaine journée. Trading platform arrived. Objective completed. Alors, il est temps pour vous de prendre le contrôle de la station orbitale. Il est nécessaire de construire des antennes satellites pour paramétrer les communications. On avait vu l'antenne satellite. On va la construire à un endroit où ça ne nous gêne pas. Oh bah non, si, ça nous gêne partout, c'est dommage. J'ai de le faire là, quoi. Bon. On va le faire là. On va le faire ici. On va voir, ça nous dit quoi sur la construction ? Ça nous dit. Une communication au débit avec la station orbitale. Les communications sont nécessaires pour contrôler la station. Le réseau est ici utilisé pour les communications entre proches. Ce qui a un effet très positif sur le prestige de la station orbitale. Ok, d'accord. On peut payer l'amende vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la construire ? Ouais, ça va, c'est pas trop cher. Hein. Ça va fonctionner à balle. Et on avait pas fait un autre un endroit ça. Et ça été une parfait. Et là-bas, oh oui, on a fait trois. Oh la vache. Ah oui, j'en ai fait trois. Ok. Il me faut deux antennes satellites. Oh, je viens de capter qu'il en fallait deux. Terrible. Je peux en poser une autre, s'il vous plaît. Merci. Il me faut deux antennes satellites, ça signifie. Consommer plus de ressources. D'ailleurs, pourquoi là ? Oui, d'accord, t'as quand même du fer qui rentre, qui est immédiatement utilisé, mais qui rentre. Au moins, ça construit. Ça va faire la construction rapide. On peut pas se plaindre. On va être tranquille au bilou. C'est quand même bizarre ce machin là. Oh pourquoi pas, c'est une tranche originale. C'est chelou mais la tranche est originale. 21%. 100%. Tu me diras, c'est normal. Même ici, j'ai pas tant de ressources que ça. Hein. Vendre des batteries. Oh, mais j'ai échoué pour vendre des batteries. J'ai rien changé. Je vais pas en vendre maintenant. Hein. Ça consomme pas mal quand même. Il y a un
emporter le machin. Ça recharge des ressources. Et ça se renvoie. Trading platform arrived. Ça en nécessite combien des matériaux? 20, 41, 42. 42 matériaux x 2, 92, 94, 84, oula. Oula, 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 oula. Tu as mis les maths, s'il te plaît, un effort. C'est vraiment là des champs ressources hein, par contre, hein, là, c'est compliqué à t'aider. Hein. Heureusement j'en consomme pas tant que ça. Ok, tu me diras. Trading platform arrived. Oh, le nombre de grains. Impressionnant la production de grains ici. Ah oui, très impressionnant. Ouais, ouais. Bon, après, tu me diras, j'en produis largement assez, c'est une bonne chose. J'ai pas encore le projet de bureau d'études, c'est dommage. Ça arrivera. Ça arrivera bien assez vite. Bon, est-ce que je peux embellir un endroit? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que nos villes ne sont pas très esthétiques, apparemment? Peut-être faire un effort. Oh, non, non, je vois pas. Hein. J'avais toute la beauté que je pouvais avoir. C'est marrant. Elles sont presque toutes les deux pareilles au niveau de l'avancée. L'avancement. Non, elles ont pas commencé en même temps. Pourquoi pas. Je vais vérifier les transports, les drones, les trucs comme ça. On est bien, hein. Un truc aussi que j'avais vu qui peut être intéressant. Non. Développer un relais en alimentation de la population alimentaire qui peut remplacer la consommation de poissons. Ok, ils sont finis dans ces assentements. Catalyseur de vitamines correspond. Non, poisson sera remplacé par la par la valeur de la médecine. La consommation de la poisson sera divisée par 3. Ah mais il est que divisé, il est pas annulé. Là c'est le raisin, mais ça vaut pas le coup. Tu m'aurais dit, ça annule totalement. Oui, oui. Là, ça fait que diviser. Trading platform arrived. Par exemple, là, je produis 40 poissons. J'ai besoin de 32.
32 divisé par 3, on est à 10 et des poussières, on va dire 11. Et j'ai deux ports. Je pourrais retirer un port. C'est pas ouf la place. Alors oui, peut-être si t'as pas de... En vrai, ouais, si t'as pas de falaise avec de l'eau, je comprends. Je comprends le délire. Mais quand t'as des falaises avec de l'eau, je t'en fous. Allez. T'avances bien. 80%. 57%. Bah, ouais, une différence. Oh, la dèche niveau matériaux quand même. Ah. Ici ça remonte un peu. Ici j'en produis en plus d'en acheter, donc ça devrait aller quoi. Là j'ai le recyclage des débris. J'ai vendu 11 batteries. Waouh. Et c'est déjà pas mal. Hein. Ça veut dire que je produis un excédent de 11 batteries en tout ça. Enfin, en, je sais pas, c'est 24 minutes, un truc comme ça. 24 minutes. J'ai deux batteries qui se créent à la minute là. On est bien, franchement, à cette vitesse. Ok, la première antenne a été faite. Ouais, elle est pas ouf. Hein. Bah, ça me consomme d'électricité, ça ou pas? Ah ouais. Oh, ça me consomme d'énergie, ça va. Ça va faire moins produire mes stations géothermales. Sniff. C'est quoi pour faire tourner là-dessus là déjà? Ok. Il manque de pallier la consommation d'électricité. Accès station géothermale. Eh bien, manque plus que deux caissons. Et lui, il y a déjà beaucoup plus de choses. Il n'y a pas photo. Hein. Déjà, on est à 80, 90, 95, 97. C'est 97 matériaux différents. Ah, c'est 42 je crois ça. Hop, il va être terminé. Des dégâts critiques ont été détectés dans la ventilation des cryo-caméras et dans le réseau d'énergie. Et la station ravitale avec des matières, des moteurs et des batteries gratuites pour effectuer une réparation. Des réparations. Donc on a accès maintenant à la station orbitale. On me demandait pas ce qu'il y a. Ah, c'est plus léger déjà. Sans moteur, 500 batteries. Ah oui, oui, c'est un peu la neige là. Chômage. Ah, il y a quelques chômeurs. Waouh! Les charges sociales! Centre de station. Ah, ça par contre, c'est cool. Ok, tout ce qu'on veut. Hein. Secteur résidentiel. Ah, secteur résidentiel infini, quoi, c'est ça.
Dans les champs orbitaux. Quelques lois. Je suppose qu'on a la production électrique aussi, batterie. Tu me diras, c'est du solaire, hein, niveau vent. Terrible, fertilité du sol. Plutôt pas mal. C'est quoi ça? Générateur. Ok. Regarde, c'est des choses spécifiques que j'aurais pu louper. Est-ce que les sites de construction? Ok. On va voir ce que je peux construire. Donc j'ai générateur. Ça produit pas mal. Hein. Section portuaire. Ajoute des drones pour travailler dans la station orbitale. Ok. Sans recyclage. Recycler des débris de matière. Peut aussi recycler des débris collectés depuis les débris en orbite. Ok. Et une impression parc orbital. Des jardins. Des champs. Des fermes à salade. Secteur de médecine. Centre de soins psychiatriques. Ah oui. Secteur de contrôle financier. Zone de divertissement. Bon, il y a moins de bâtiments déjà. Et vous me direz, c'est un peu normal. Putain, il y a encore un truc. Alors là, j'y suis pas allé. Je crois pas que j'y sois déjà allé. Hein. J'ai dû m'arrêter là à l'époque. Alors, on va retourner sur haut du ciel. Parce que. Je veux faire le bureau d'études. Et on va faire ce bureau d'études. Je vais mettre en priorité de construction parce qu'il faut pas déconner. Et je vais voir qu'est-ce que ça peut me débloquer comme technologie. Si ça se trouve, il y a des choses intéressantes. Ah, j'ai plus de matière. Ouais. Ah oui, je l'ai pas fait au bon endroit. Ah, je voulais le faire là. C'est pas grave. Moi, ici en éducation, j'aurais pas trop de problèmes à un moment. Attendez, je vais faire une vente. Une vente ponctuelle de 9,50. Ça aidera. À sa construction. Si les trains veulent bien passer. Bon. On va attendre en direction de la station orbitale. Où est-ce que c'est la dèche? En énergie. Énergie requise. Alors. Je vais faire deux secteurs solaires pour énergie, ça devrait être suffisant, je pense. Ah ouais, 60 à la fois, ah ouais, ça déconne pas. Ouais, il y a des débris, tiens. D'accord, ils vont chercher des débris là, et des débris. Les débris, ils sont pas utilisés. Faisons au moins une station de recyclage, ça nous permettra de créer des choses à partir des débris.
Écoute, les drones, pas terrible. Hein. Vraiment pas ouf la production. Peut-être devoir faire ça en premier parce que là. Mettre en priorité parce qu'apparemment. Ça veut pas, on a fini ça. On a fini le bureau d'études. Ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que ça nous propose? Oh, on a un type de dépôt qui économise de l'espace. Réduit la consommation d'eau sur la station orbitale. Dans des données, il y a plus 50% de succès. Il y en a fois plus d'énergie. Ça s'enflamme pas avec le feu paratonnerre amélioré. Ah bon, le paratonnerre ça génère de l'énergie maintenant? Étendre la limite des bâtiments. Étendre la limite des bâtiments, des lieux d'intérêt. On n'a plus besoin. L'aérodrome n'a plus besoin de pilotes et fonctionne H24. Ok. Permet de construire des nouveaux bâtiments. Oh, c'est vis à peur. Limite contre la restriction. Un tremblement de terre, ok. Mettons les limites de stockage orbital de 25%. Ouvre un nouveau nœud de livraison soutien. Ouvre un nouveau bâtiment. Qui a ça. Agrandissement des falaises. Ouvre un projet pour agrandir la zone des falaises. Oh. Ça va être intéressant ça. Conçoit un espace supplémentaire à construire sur la station orbitale. Ça aussi, c'est pas mal. Construction d'un barrage dans la citadelle de glace commence. Ça doit être pour de l'énergie, ça. Dôme ionisant. Commence la construction d'un dôme dans la citadelle de glace. Citadelle de glace, je suis sûr, ça doit être ça. On vient de se faire spoil un truc. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Si on choisissait le stockage souterrain. Les maraudeurs ne. Ça dépasse, hein. Écoute, hop. On va faire un projet. Oh la vache, c'est d'une rapidité. Attendez, on va augmenter ça encore. Hein. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, non, mais ça rapporte pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation ici. Ok. Mais la vitesse est juste folle. Vous savez quoi? On va découvrir tout ça lors du prochain épisode. Je sais pas du tout combien de temps il a duré. J'ai un petit problème toujours. Je fiche pas bien le temps d'enregistrement. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain. Un grand merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusque là. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao.